là-dessus. Elle est juste grandiose. C'est l'exposition. Ouais. Là, j'ai l'impression d'être dans un silo qui descend. Ouais. Et puis, il y a toutes les petites fenêtres qui viennent pour regarder à l'intérieur du silo qui c'est qui va tomber là, tout au fond. Ouais. Je sais que mes œuvres, ils m'écrivent souvent, ils disent moi je vois ça, ouais. Et deux semaines après, ils disent ah non, j'ai vu autre chose. Je vois plus ça, mais je vois autre chose. Vois autre chose. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il y a Vasarely qui faisait des formes comme ça aussi. Ouais. C'est un mouvement permanent. Totalement. Ça n'arrête pas de bouger. Ouais, le pas, ouais. C'est ça, c'est ouais. L'art au mouvement. Ouais. Ouais. C'est, je sais pas, mais c'est une surface avec des vagues. Ouais. Il y a trois, quatre en fait, les quatre pointes de vagues, et puis après on se promène dedans là, comme sur un bateau. c'est chouette. Et si vos yeux se concentrent au centre, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois sur les quatre côtés, au fond, c'est des lignes, oui. Comme ça, oui. Comme ça. Et si vos yeux se concentrent ici, c'est ce que je cherche à faire, justement. Qu'est-ce que vous voyez si vous traversez un peu le temps? Il y a trois, quatre, en fait, les quatre pointes de vagues, et puis après, on se promène dedans, là, comme sur un bateau. c'est chouette. Et si vos yeux se concentrent au centre, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois sur les quatre côtés, au fond, c'est des lignes, oui. Comme ça, oui. Comme ça. Et si vos yeux se concentrent ici, c'est ce que je cherche à faire, justement. Qu'est-ce que vous voyez? Tout à fait. Il y a plein de réactions comme ça. Sur vous avez réussi à trouver une corrélation entre les individus qui arrivent à voir ces triangles de couleurs. Oui. Est-ce qu'ils ont des similitudes entre eux ou bien... Alors qu'on a fait une recherche au SUB, ouais. Avec le professeur Dragonski, on a eu différentes catégories, différents âges de personnes. Ouais. Et les personnes hypersensibles rentrent plus facilement dans les œuvres que les personnes ouais. Moins hypersensibles. Vous savez, ici dans les lignes horizontales, des doubles lignes qui s'installent. Ça dépend du cerveau et des yeux des personnes. Mmh. Et quand elles se rapprochent, cette double ligne disparaît. Mmh. Ouais. Et aussi, quand vous regardez, avec mes yeux, il faut toujours regarder les yeux de différents angles. Oui, oui. Là, ça change. Et si vous regardez aussi l'œuvre comme ça, vous avez des autres dimensions mmh. qui s'installent. C'est justement ça qui est... La richesse de Lopart, c'est en changeant d'angle, vous avez d'autres visions. Ouais. Là, j'ai pratiquement les lignes intermédiaires ici. Quand je suis là, elles sont pratiquement disparues. Elles sont très fines. Ouais. Et puis, plus je m'éloigne, plus elles s'écartent. Plus elles s'épaississent. Elles s'épaississent. Ouais. Dans des peintures comme celle du trio, ou alors ça n'a rien à voir avec Lopart, mais ouais. Quand même, ouais. Il y a j'ai un Saint Jean-Baptiste, ouais. Et le pied, ouais. Quand on se déplace,
Il se déplace avec nous, il nous regarde tout le temps. Ah ouais, c'est comme la mise à... Ouais, exactement. Avec les yeux. C'est mon grand-père, il y avait un tableau comme ça, ouais. Où on voyait le pied qui nous regardait, et puis si on partait, le pied il nous suivait. Ah, ouais. Ils utilisaient déjà l'opaque. Ouais, c'est une sorte d'holographie ouais. Ancienne. Holographie ancienne. Vous savez, le pied ou la tête se retourne avec ouais. La personne. Ben, ouais. Mais ça, c'est l'illusion. C'est une illusion. Oui, c'est pas l'opale, c'est le grand des illusions. C'est encore une autre catégorie d'art. Ouais. Mais c'est intéressant. Oui, moi j'aime bien. Ouais. Ces escaliers qui n'en finissent pas de monter puis ils descendent. Ah, ouais, ça c'est Escher. C'est Escher. Ouais. Ouais, mais vous qualifiez pas d'opale. Même niveau, mais. Vous ne qualifiez pas d'opale, Escher. Ça c'est illusion. C'est l'illusion. Illusion d'optique. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, c'est comme en architecture, avec l'architecture grecque, avec les colonnades. Oui. Tout dépend comment vous êtes placé. Oui. Et les colonnades se réduisent. Oui. Et ça fait partie de l'illusion. Ouais. Chez moi, le daltonisme fait que si je regarde ça, j'ai que du vert ici. Ouais. Là, j'ai que du vert, mais il y a du rouge. Je ne vois pas les fraises des bois. Ah oui. Je ne vois pas les cerises dans un cerisier. Un cerisier où les cerises sont mûres, ouais. Je ne vois rien. Quand elles sont vertes, ça va. Ah bon. Oui. C'est intéressant. Et ça, c'est ma forme. Vous ne voyez pas le rouge. Le rouge dans le vert, je ne vois pas. Ah oui. Rouge sur vert. Comme ça, de près, je vois. Je vois par exemple, ici, il y a du rouge avec du vert. Qu'est-ce que vous voyez? Ici. Oui. Alors, je ne vois pas de vert ici. Ah bon. Non. Voilà quelque chose comme un peu rose, ouais. Rose et bleu. Et alors ici, je vois du rouge qui est presque qui tire sur le brun avec du vert. Ça, je vois, ah. Le rouge et vert. Oui, ouais. Oui, oui. Mais, vous voyez, quand je me mets là, je vois plus que du vert. Ah, ouais. Je vois plus le rouge. Ah, ça disparaît. Oui, il y avait une fois dans une exposition que j'ai eue dans un musée, il y avait un directeur de bande qui voyait. Pas la couleur, vous voyez, tout gris. Tout gris, oui, noir et blanc. Voilà. Oui. Ça c'est du daltonisme grave. J'ai peint une toile pour vous, noir et blanc et gris, et peut-être vous verrez la couleur. Peut-être, oui. Voilà. Mais pour un banquier, c'est difficile avec les billets de banque. Oui, c'est vrai. Les billets de banque sont toujours très cool. Un papier de fête de Noël. Christmas. Alors il faut aussi regarder l'œuvre de différents angles, oui. De côté, ça va aussi changer. Absolument, et puis avec la lumière et tout, les caresses font. Ouais, on les voit en relief ou en creux. Voilà. Ouais. Ouais. Là, l'éclairage fait énormément aussi. Ah, beaucoup, ouais. Ouais. Aujourd'hui, c'est magnifique. Ah, c'est une très très belle lumière aujourd'hui. Ouais. Alors moi, avec mes yeux et mon cerveau déformé par mon art, quand je regarde c'est un centimètre, deux centimètres de mouvement. Et je dois trouver l'angle particulier et les formes qui sont ici au centre tournent dans mon cerveau en trois dimensions. Mais ça ne marche pas chez tout le monde. Ouais. Mais il faut trouver la. Sans l'angle, c'est un centimètre de mouvement pour découvrir les différentes. Suivant l'angle où je suis, on voit que là, au centre, c'est vraiment un bleu très sombre, presque noir. Ouais, ouais. Il y en a toujours plus clair. Mais quand on se déplace, la partie sombre se déplace aussi, et la partie claire, elle vient vers le centre. À tel point que même ces carrés qui sont sombres deviennent clairs quand on est là. Ouais. Ben,
découpeur. Il est très unique. Comment l'art peut transformer le cerveau. Oui, 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 c'est sûr. Moi, hier soir, j'étais à Genève. J'ai une conférence au cercle des dirigeants, des patrons des PME. Oui. Ils m'ont invité pour faire une conférence sur l'art que je fais. Bon, la plus grande partie des personnes ne connaissaient pas beaucoup cet art en mouvement. D'accord. Et je parlais aussi de notre recherche qu'on parle dans le livre, oui. Justement. Ah, oui. Et on est en train de développer avec le laboratoire de neuroimagerie une prochaine étape qu'on va commencer. Ah, d'accord. Ouais. Mais on est en train encore de chercher des fonds pour. Ouais. On a reçu 15 000 francs de la micro là, pour ces 75 ans. Mais on cherche encore des fonds. C'est pour ça que j'ai eu une conférence chez les PME pour dire. Ouais. Et il n'y a pas un gramme de colle. Chaque élément en plexi d'une autre couleur est juste emboîté l'une dans l'autre. Sans un gramme de colle. Ah, d'accord. Vous pouvez mieux voir. Et c'est juste emboîté. Et c'est découpé au laser ou au centième de millimètre. Ouais. Et il est important que quand vous emboîtez la pièce, il ne faut pas que le disque se gondole parce qu'elle échappe la pièce. Oui. Ou alors que vous mettez la pièce et qu'elle tombe. C'est ça. Et il faut que ça soit découpé au centième. Ouais. Travail d'horloger. Ah oui. Pour que quand vous enfoncez la pièce, qu'elle se tienne, parce que d'après les températures de l'atmosphère chaud, froid, etc.,